Le cercle des poètes disparu, passant la veille sur la troisième chaîne. Elle avait écrit au correcteur sur sa trousse en dents Carpe diem. Je me souviens de celle qui m'avait fait changer de place et apprendre l'humilité, qui à l'élection des délégués de classe aurait fait l'unanimité. Mais c'était la nouvelle qui débarque au beau milieu de l'année scolaire, fatale, parce que ses parents ont dû... Avec un drôle d'accent, des expressions étranges, la fille qui venait de loin, on ne peut plus exotique, avait sur la troisième cinq. Le temps fait des ciels et reprend ce qu'il sème. Carpe diem. Paris has many gardens. This is one of them. It's called a Garden of the Tuileries. Beautiful, isn't it? I think I'm going to sleep a little bit. Comme un poisson dans l'air, lorsque je déclamais tel Cyrano vert de trac. Tu peux me prêter ton blanc, s'il te plaît? Alors je m'étais lancé. I'm here at the Louvre Museum in Paris. Take a look at the pyramids. There are lots of paintings, sculptures, and art that I'm going to show you. You won't like it. Avait sur ma personne jeté son dévolu. C'est un amour de collège, un fantôme du passé qui vous revient au petit déj, une icône. We are here in the Louvre Museum, and behind me is the Monalisa. It was painted by Leonardo da Vinci. Everybody comes here to look at it. Check it out, lots of people. Six mannequins dans une vaste maison vitrée au bord de l'eau, avec un grand bouvier bernois un peu pâteau. Des enfants à boucles d'or qui courent dans le jardin, un genre de famille Ingalls mais en moins américain.